gens sont toujours là. Romain et Manuel m'ont fait des gestes en parlant fort sauf que comme j'avais la musique fort dans les oreilles je sais pas du tout ce que vous vous êtes dit. Qu'est-ce que vous avez essayé de me dire Qu'il fallait que ce soit moi qui commence ce podcast c'est ça Peut-être. Ah, ça va les gars ben, Ça va la forme aujourd'hui on parle d'un sujet euh, sérieux, on parle de l'écoute Manuel. Toi tu sais être à l'écoute la, la, la preuve je ne fais que ça. Pa pas toujours. J'attends de savoir combien de fois Manuel va me dire ferme ta gueule s'il te plaît j'ai pas fini dans <laughs> ce podcast. <laughs> je sais forcer l'écoute. Tu sais forcer l'écoute, ouais. mmh. Mais est-ce que tu sais être à l'écoute Mais je n'aime pas qu'on me brouille l'écoute. D'accord. Ça okay. c'est pour les fans de contre-pétri. Ok, d'accord. Bon, mais eh ben on va s'arrêter là. Toi je pense Léo. Que les gens en ont assez entendu. T'étais un peu trop à l'écoute avant des autres. Ah bon Oui. Aujourd'hui t'es plus à l'écoute de toi oh, Putain, je pense bon, qu'il bon. a toujours été à l'écoute de lui. <rire> <rire> Alors là on est sur de la philosophie, je sais pas si c'est vrai, mais c'est exceptionnel. Est-ce que tu nous proposes là euh, non, je, je sais pas. Moi, j'ai un, un problème d'attention quand les gens me parlent, euh, dans la mesure où souvent ce que je pense est bien plus intéressant que ce qu'on me raconte. C'est surtout que pendant que les gens te parlent, <laughs> en toute surtout... modestie, ils continuent <laughs> le podcast. Ouais, ouais, évidemment, <laughs> c'est bienvenue dans Take out. Si vous ne connaissez pas ce podcast, je vous présente Léo, du coup, qui vient d'intervenir. Emmanuel, le connard. Voilà. Euh, non, en vrai, j'ai beaucoup de problèmes d'attention et je ne sais pas toujours être à l'écoute. Déjà parce qu'à chaque fois qu'on me raconte un truc, j'imagine une vanne, euh, du coup ça brouille un peu euh, mon, mon attention quand quelqu'un me parle, alors si c'est un sujet très sérieux je sais fermer ma gueule et, euh, et écouter, mais c'est vrai que j'ai des petits problèmes d'attention qui fait que tu peux me raconter un truc et la semaine d'après je l'ai oublié, pourtant je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas retenu. C'est quelque chose surtout qu'on sans... enfin, qu fait tous, toute ouais. la journée, et du coup on ne prend pas l'habitude à un moment de savoir le gérer. Moi, je suis encore en train d'apprendre euh, ouais. à le gérer. On n'imagine pas que ce soit une pratique qui se travaille. En fait. Vraiment pas. Quand j'ai rencontré euh, Manuel, pour moi, le plus important, c'était de parler de moi quand les gens ne me connaissaient pas. Et en fait, ce n'est pas comme ça que tu touches, par exemple, des interlocuteurs qui ne te connaissent pas. C'est plutôt en t'intéressant à eux ouais. et en écoutant. Parce que c'est là où tu recueilles aussi des informations, des détails qui peuvent amener la communication dans des sujets qu'ils apprécieront. Plus ou moins, voilà. Parce que ça m'est arrivé beaucoup trop souvent d'ouvrir beaucoup trop ma gueule sur des sujets et de me rendre compte que la personne en face de moi était tout sauf pour. Ouais. Ben, en fait, si on parle de ce sujet, c'est parce qu'il est important à la fois sur le plan personnel et en même temps sur le plan euh, du, du travail. Parce qu'être à l'écoute, c'est savoir se faire apprécier. Euh, je vous invite à lire le, le livre Comment se faire des amis en français, qui a un très mauvais nom, qui a été très mal traduit c'est How to win friends en anglais, qui est un peu plus euh, correct. Une Bible, je sais pas, ça a 110 ans ce, ce livre euh, et c'est assez exceptionnel. Ça parle justement de ça. Ça explique que, bah, en fait, si vous voulez être apprécié, par exemple, dans une soirée, posez des questions aux gens, écoutez ce qu'ils vous répondent, euh, ne leur dites rien et à la fin de la soirée, vous vous en retrouverez trouvez très sympathique alors que vous ne leur avez rien dit. Ils ne savent pas qui vous êtes, mais euh, vous avez été à l'écoute simplement. C'est normal parce qu'on vit dans un monde bruyant ouais. et les gens euh, valorisent le fait que, un, on s'intéresse. Euh, à l'histoire qu'ils ont envie de raconter et mmh. à ce qu'ils ont à dire. Et puis, euh, ne, ne, pas, ne pas participer au bruit du monde, c'est une espèce d'exception. Ouais. Parce que là, on est tous entourés de gens qui veulent crier plus fort les uns que les autres. Mmh. Qui veulent exister, qui veulent qu'on les reconnaisse, qui veulent qu euh, avoir un impact. Ouais. C'est mon expression préférée. Tous les, tous les gens... Euh, toute, cette, toute, toute votre génération qu'on voit en recrutement, c'est l'expression utilisée. On veut avoir un impact. Oui, sur quoi dis, dis On ne sait ça. pas. <laughs> euh, quand On ne sait pas non plus. Mm. Mais énorme, on veut avoir un impact. On, on parle de, de l'écoute. Oui. Et pendant qu'on parle de l'écoute, Romain fait des stories Instagram. Oui. Ça veut dire qu'il est très, est très fou focus. De faire ça. Mais je suis super focus. Ah oui Qu'est-ce ouais. qu qu qu'on a dit les 5 dernières minutes Je t'écoute. Alors, vous étiez en train de parler de cette génération qui cherche à avoir de l'impact ouais. avant même d'écouter et de savoir comment. Et avant coup. ça Avant ça, on parlait de l'écoute puisqu'on vient de démarrer oui, le podcast. Oui, bah bien sûr, en fait. c'est le sujet du podcast, connard. Évidemment. <laughs> de quoi on fort. parlait De rugby, essentiellement. <rire> euh... <rire> Ce sujet est super vague, les gars. On l'amène de, de quel côté Est-ce que, parce qu'il y a un réel intérêt à écouter, que ça soit en couple, en business, avec ses amis. Euh... Dans la vie en général. Voilà. Euh... Ouais. Sinon, en fait, tu viens un peu en autarcie, quoi. Tu euh, connais si... ma devise préférée hein, sur l'écoute Oui, vas-y. Pour ceux qui n'auraient pas écouté le dernier podcast. J'en ai parlé dans le dernier podcast. Oh, ouais, quasi sûr. Vas-y. Ou alors entre nous. Vaut mieux fermer sa gueule et passer pour un con plutôt que l'ouvrir et prouver qu'on en est un. Ah d'accord, je pensais pas que c'était celle-là. Elle est bien C'est la meilleure. Elle est très très bien celle-là. Elle est, elle est bien. Voilà. J'aime beaucoup cette devise. Elle est bien. Pourquoi l'écoute est importante bah pour deux raisons, euh, celle qu'on vient d'évoquer, c'est que si vous êtes à l'écoute, si vous laissez parler les gens, euh, vous les laissez leur raconter, euh, vous raconter euh, leur vie, leurs problèmes, etc. Vous allez être apprécié par les gens qui vous entourent. Si vous faites que parler, c'est insupportable. On connaît tous quelqu'un qui fait que parler de ouais, lui. On déteste tous ces gens-là. Personne, euh, personne ne les aime. Donc, euh, si vous voulez être apprécié par votre entourage, votre milieu social, professionnel, etc. Faut être à l'écoute des gens, faut leur poser des questions, etc. C'est hyper important. Et puis la deuxième raison, c'est pour solutionner des problèmes. Si tu n'es pas capable d'écouter euh, la personne avec laquelle tu vis ou alors ton collègue de travail avec qui c'est problématique, bah, tu régleras jamais les problèmes parce que tu ne comprendras pas son point de vue. Et c'est d'ailleurs euh, ce que moi je remarque sur le point de vue business, c'est que beaucoup de gens essaient de monopoliser l'intention avec l'attention, so avec les solutions qu'ils ont déjà déployées auparavant et qui ont fonctionné pour d'autres cas, ouais ils arrivent dans un cas à résoudre et ils disent, bon, vu qu'on a déjà fait ça, que ça a déjà marché, on va juste lui réexpliquer, on va essayer de lui vendre absolument ce qu'on veut lui vendre. Exactement. Et en fait, en écoutant parfois correctement ton interlocuteur, tu vas avoir la décence de lui dire, je comprends ton problème et je ne suis pas la bonne personne pour le résoudre. Mais c'est plus global que ça. En fait, je pense qu'il y a des tonnes de gens qui essayent d'apporter des solutions à des problèmes qui ne sont qui n'existent pas. Quand tu y réfléchis, écouter les gens, c'est prendre le temps de t'assurer que euh, tu as compris de quoi on parle. Ouais. Et il y a des tonnes de gens qui commencent par dire qui ils sont, quelles sont leurs histoires, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Tu, tu peux transposer ça au monde du business en disant euh, voilà notre entreprise, mmh. voilà euh, nos services, voilà nos références etc 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 et puis à la fin tu te rends compte que le mec son problème n'a absolument aucun rapport ouais. avec ce que tu as à proposer mais et euh, le monde est peuplé de ça Manuel est très fort dans l'écoute euh, j'en ai déjà parlé plein de fois dans ce podcast mais la plupart du temps quand tu rencontres des gens ils sortent hyper heureux de t'avoir rencontré pas tous <rire> vraiment <rire> pas tous à nuancer cependant heureusement, heureusement j'aurais peur euh, si euh, c'était tous mais c'est peut-être ta plus grande qualité, je pense, c'est que tu sais faire parler les gens, euh, être à l'écoute, et du coup, bah, tu t'adaptes vachement à la personnalité des gens, parce que justement, tu comprends leurs problèmes, tu comprends euh, leurs doutes, ce qu'ils ont envie de faire, etc. Et tu as compris, je pense, très tôt dans ta carrière, que c'était le point le plus important, c'est de comprendre la problématique des gens pour, pour les emmener là où ils veulent aller. Mais euh, c'est aussi parce que c'est une stratégie de fainéant. Tu m'as dit un jour, Manuel, ouais. euh, souvent... Quand tu écoutes la personne qui te parle, elle expose les propres solutions à ses problèmes. Bien sûr. Mmh. Quand tu la fais parler, tu lui donnes aucune réponse, tu lui donnes aucune solution, elle-même les trouve. Euh, et je trouve que c'est intéressant parce qu'une façon de faire grandir les gens, c'est aussi de bien les questionner. Mais souvent, euh, euh, aider les gens, ce n'est pas leur donner les solutions. Aider les gens, c'est euh, leur permettre de se poser les bonnes questions pour qu'ils trouvent eux-mêmes leurs solutions. Et souvent, euh, ils ont les solutions, c'est juste qu'ils ne les voient pas. Et cette manière de, de, de faire en sorte qu'ils trouvent eux-mêmes parce que tu, bonnes les, les, tu, donnes les, 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 tu poses les bonnes questions, c'est beaucoup moins infantilisant beaucoup de trouver moins... la réponse soi-même à son problème. Oui, et puis euh, c'est beaucoup plus durable. C'est-à-dire ouais. que tu as de fortes chances que le type ne revienne pas à te voir euh, pour le même cas de figure, parce que du coup, en ayant participé à la conversation, au bon processus d'interrogation, il apprend. Une, une forme de mécanisme mmh, euh, de, réflexion. de réflexion plutôt que lui donner la réponse brute qui ouais. fait que chaque fois qu'il aura une question, il reviendra. Ouais. C'est pour, pour ça que, que, que... je disais c'est un processus de fainéant. Mmh. Oui, mais pour autant, sur le moment, c'est ce qui fait que ça correspond à très peu de gens, c'est beaucoup moins rapide. Ah non, ça prend un peu de temps. Oui. Voilà. C'est ouais, euh... comme si euh, tu faisais une chasse au trésor et plutôt que de, de lui apprendre à, euh, à lire une boussole, tu lui dis bah alors, en fait, le trésor est là, va le chercher. -à dire que si tu as beaucoup de chasse au trésor à lui faire faire, faire tu gagnes du temps finalement euh, à lui à lui expliquer comment, comment lire une boussole et ce serait très utile à certains candidats de Colanta d'ailleurs. C'est vrai, on les embrasse. Voilà, je comprends pas comment tu peux aller à Colanta et sans t'être dit, tiens, je vais apprendre à lire une boussole. C'est fou. Je n'ai pas d'avis, je n'ai jamais revu Colanta de ma vie. Oui, mais pour autant, on fait une vanne, mais je pense que c'est un super exemple Colanta. Mm -hmm. C'est pas les candidats les plus forts, les plus baraqués, etc. qui vont jusqu'au bout. C'est souvent ceux qui écoutent ouais. le plus les autres, parce qu'ils arrivent à aller parler à Jean-Philippe à droite de cette manière-là mm. et à Christine à gauche d'une autre manière pour essayer de les monter les deux. Et en fait, c'est vraiment de la vraie ouais. psychologie l'écoute, mm. et, et c'est important. Non, mais c'est vrai, c'est important à dire parce que on, on. Pas compris qui voulait monter. Qui... <laughs> on comprend souvent pas le pouvoir. De... Enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas compris assez tôt. Le pouvoir de l'écoute plus que la parole. Souvent, on, on explique aux gens quand ils veulent, enfin, ils font des écoles de communication ou autre, on, on explique d'abord de bien se vendre avant de bien écouter l'autre. Je trouve ça dramatique. Et tu fais bien de le faire remarquer. C'est un bon exemple, Colanta, parce que souvent, les gens qui ont une personnalité assez forte, ce sont des gens qui parlent beaucoup, qui veulent beaucoup imposer leur stratégie, qui veulent beaucoup dire ah bah lui il fait rien sur le camp, etc., et qui vont jamais questionner les autres. Ça marche les deux premiers jours. Et après souvent, mort. ils se font euh, dégager comme des merdes ils ne gagnent jamais, Colanta. Est-ce que vous voulez des tips en as pour apprendre à être plus à l'écoute bah Bien sûr. Oui. Bah, J'en ai parce que je me suis renseigné sur le sujet. Je me suis dit, en fait, je suis une merde. À la plupart du temps, euh, j'écoute un peu passivement, mais, mais je retiens pas euh, toutes les informations, etc. Donc, il faut que je m'améliore sur ce sujet. Et j'ai cherché, est-ce qu'on peut s'exercer Est-ce qu'il y a des tips pour être mieux à l'écoute, pour être un meilleur auditeur euh, On ne parle pas forcément d'un auditeur du, du podcast, mais dans la vie de tous les jours. Et il y a effectivement des tips et on peut s'entraîner à être plus à l'écoute donc j'ai répertorié 9 points je crois déjà le premier exercice c'est de faire un podcast avec Manuel parce qu'à chaque fois que tu penses qu'il a fini de parler mmh. on fait pas pour et ça souvent que... en général t'apprends à être à l'écoute on coupe <laughs> les blancs mais quand Manuel <laughs> finit une phrase on attend toujours 25 secondes <rire> <rire> <laughs> pour s'assurer qu'il a terminé. Merci Thomas qui monte ce podcast parce que sinon ce serait un oui. enfer pour les auditeurs. C'est faux, tout ça est faux. Premier conseil, comme en plus c'est une très vieille personne, il parle lentement donc c'est pareil, <laughs> on fait des cuts au milieu, de, au milieu des phrases parce que sinon c'est un enfer. Première astuce, poser des questions ouvertes. Pour éviter d'obtenir un simple oui ou un non qui ne veut rien dire et devoir créer une conversation avec ça, poser des questions ouvertes. Elles invitent à une meilleure conversation et l'autre personne se sentira mieux écoutée. Ça, c'est un truc que je sais pas du tout faire. Un exemple. C'est le fameux euh, euh, tu vas bien plutôt que le mais comment tu vas Je ne pose jamais ce genre de question. C'est toujours euh, hyper ouvert, peut-être parce que c'est toujours hyper fermé, peut-être parce que je n'ai pas envie d'avoir une réponse très longue. En général, je pose très peu de questions aux gens. J'y pense pas trop. Je suis très mauvais socialement euh, de ce point de vue-là. Moi, j'ai appris. Euh, c'est rigolo. Et je trouve que par contre, il y a un premier vrai pouvoir qui se dégage de l'écoute c'est le fait de mieux préparer ses réponses. Et. Plus tu t'entraînes à le faire, souvent tu verras, moins tu vas réagir vite à ce que dit l'autre. Mmh. Et c'est pas grave de laisser un blanc de 3 secondes. Ouais. C'est pas grave. C'est-à-dire préparer que... ses réponses en amont Non, pendant que okay. tu écoutes la personne. Ah, plus bah... tu la fais parler, plus tu peux t'adapter du coup à ce que tu as vraiment envie de lui dire. Et du coup, plus tes réponses sont justes. Oui, mais ça c'est un mauvais conseil. Parce que pendant que tu prépares ta réponse, t'écoutes pas la personne. Donc il vaut mieux prendre les 3-4 secondes de blanc euh, après. Pour réfléchir à ta réponse et pas dire pas dire n'importe quoi mais il faut que tu sois pleinement à l'écoute ouais c'est vrai parce Alors, que pendant que tu es en train de formuler ta réponse peut-être que la personne a dit des trucs très intéressants factuellement c'est moins facile à faire c'est vrai mais, mais c'est dur hein ouais faut juste pas être pressé hein. ça euh, ça c'est hyper dur manuel c'est le pro des blancs dans les conversations mais vraiment le pro on en a déjà parlé plusieurs fois si vous suivez les take -out... ah si perso je trouve ça un peu raciste <laughs> euh... Vraiment, tu peux avoir des conversations et la personne a fini de répondre et il il n'y a pas grand-chose, quoi. Et il réfléchit. Bah, du vide dans ses yeux, hein, concrètement. Hein. <coughs> concrètement Je ne me sens pas l'urgence de répondre. Enfin, tu vois, on n'est pas dans un jeu télévisé. Ouais. Donc, euh, on n'est pas chronométré, etc. Tu as le droit de... de, de de réfléchir, de processer. Je ne me sens pas obligé de répondre immédiatement. Mais c'est vrai que dans Alors la ça société, peut, ça peut déstabiliser. Dans la société, c'est signe d'ennui, en fait. Bah, euh, si on n'enchaîne pas, on se fait chier, en fait. Non, mais tu n'es pas obligé de vomir sur les gens. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Tu vois mais Donc, euh, euh, parce que moi, ce qui m'insupporte, c'est les gens qui ne réfléchissent pas. C'est-à-dire qu'il y a un canal direct entre euh, leur, euh, ce qui leur traverse l'esprit ouais. et leur bouche. Et ça, ça me m'exaspère. Enfin, tu vois, c'est comme s'ils confondaient leur bouche avec leur anus. On ne peut pas faire la même chose avec. Léo, deuxième tips. Tu as répondu premier degré oui. à cette phrase. Oui. Bah, J'enchaîne quoi. C'est terrible. Bah, J'ai l'habitude de strike avec Manuel. Pardon pour les gens qui nous écoutent, mais euh, moi, c'est <laughs> quotidien. Oh, quoi. Euh, il est vrai qu'on ne peut pas faire la même chose avec... Je vous ai préparé un diaporama sur <laughs> le la deuxième, Le deuxième conseil, euh, posez d'autres questions. C'est-à-dire que si quelqu'un vous parle de son poste en vous disant que... C'est pas le poste de ses rêves, mais qui s'y sent bien parce que ses collègues sont cool. Demandez-lui quel était le poste de ses rêves. La plupart des gens sont gênés de parler d'eux-mêmes. Alors, si vous ne leur posez pas de questions, vous n'obtiendrez rien. Ça, c'est vraiment le truc que je ne sais pas faire. J'ai un pote à moi qui est très fort là-dedans. À chaque fois qu'on est en, en société, quand quelqu'un répond un truc, il repose une question, puis il repose une question, puis il repose une question. Je ne sais pas faire ça. À chaque fois, je le vois reposer des questions par rapport à, la, à ce que la personne vient de répondre. Je sais pas si c'est que ça ne m'intéresse pas ou je n'y pense pas, mais à chaque fois qu'il qu l'enchaîne, je me dis Mais putain, mais comment il a trouvé cette question Ça, c'est une capacité que je trouve folle et je ne sais pas faire. Du coup, moi, en général, mes conversations, elles sont très courtes. Toi, Manuel, quand tu es en société. Oui. <laughs> voilà, c'est tout. <laughs> on peut enchaîner avec le troisième. J'attends la question, Ça ne <laughs> en fait. vous parle pas, ce truc je, je processe. Euh... Moi, j'ai l'impression qu'en général, on ne pose pas d'autres questions on va sortir son ressenti personnel. C'est-à-dire qu'on enchaîne très vite, vu que la personne ne s'étale pas trop sur sa vie perso, on va dire, alors moi, c'est vrai que je me sens bien, que c'est cool, c'est très rare, moi, que j'enchaîne par une autre question. En fait, dans beaucoup de cas, les gens ne s'écoutent pas les uns les autres. Ouais. C'est-à-dire que tu as un type qui dit un truc, de monologue. le mec en face de toi n'a absolument rien à foutre, mmh. et va enchaîner sur... Euh, un truc qui le concerne et qui a vaguement un rapport parce qu'il ne veut pas avoir l'air complètement euh, débile ou ouais. schizophrène. Euh, et donc, tu vois deux personnes discutant en ensemble qui ne s'écoutent absolument pas. Et en fait, l'astuce que tu donnes là implique d'écouter ouais. ton interlocuteur. Et dans beaucoup de cas, observez les gens autour de vous, vous rendrez compte qu'ils discutent ensemble sans jamais s'écouter. Et ce que tu dis, je crois que c'est un truc qu'on fait pas mal dans le podcast. Ah ben bah moi je vous écoute jamais. C'est aussi... à dire non je ferai pas ce <laughs> podcast. Non. Moi je mets même pas le casque. C'est à dire que on s'écoute, mais souvent on va enchaîner sur ah oui moi euh, je tout de suite sur une anecdote personnelle ou sur ah ben bah, moi je fais comme ça. Euh, on va rarement se reposer des questions. Je trouve pas tant que ça. Hein. Et bah, j'allais oui. justement euh, en venir aux réponses qui commencent par ah ça me fait penser à moi qui ou euh, ah ben moi j'ai en général. <laughs> si tes réponses commencent comme ça. C'est que déjà tu es insupportable. Je suis désolé de te le ah dire, bah, mais écoute les podcasts parce que je suis absolument convaincu. Bien sûr, fait. mais parce que le but de ce podcast c'est de partager à trois nos expériences un peu personnelles et d'essayer d'apporter à chaque fois une histoire en plus pour faire interagir du coup les deux autres personnes. Je crois que c'est une excuse. Parce bah, que... En soirée on n'est pas comme ça, Léo. Euh, bah, en soirée on parle à personne, on reste entre nous. Mec. Voilà. Donc euh, forcément on n'est pas comme ça. Mais mais par exemple si Manuel raconte un truc intéressant, euh, c'est peut-être parfois plus intéressant de lui reposer des questions sur ce qu'il vient de dire. Plutôt que de nous enchaîner sur « Ah bah moi je suis pas comme ça, euh, je pense que c'est un truc qu'on fait pas assez et qu'on devrait plus faire. » Ok. Je, je suis d'accord. <laughs> qu'on te pose plus de questions. Non, surtout pas. Ah, sur voilà. à quel sujet tu es d'accord, Manuel <laughs> Je m'entraîne, hein, c'est compliqué. Troisième astuce, accordez toute votre attention. Un Romain qui fait des stories. Posez votre smartphone, éteignez la télévision ça c'est un truc qui est infernal quand ah ouais. personne essaie d'avoir suis... une discussion ouais. Mais le la smartphone. télé est allumé le smartphone c'est le pire truc genre au restaurant quand tu discutes avec quelqu'un il est, qu est sur son, son téléphone, téléphone, il se regarde et il fait uh -huh, uh -huh. ça me rend malade d'ailleurs rien que la présence du téléphone sur la table s'il l'a même pas dans les mains, s'il est retourné etc euh, il y a quand même une espèce de stress, une espèce de pression sociale qui est inculquée par le téléphone qui est sur la table, donc mettez le dans votre poche j'allais y venir, c'est à dire que je trouve que le, le téléphone face down qu'il soit down ou up, ça, ça ne change rien en il fait. y, y a une étude qui a prouvé que c'est même pire quand le téléphone est face contre la table, parce que ça nous dédouane un peu. On se dit, ça va, je l'ai mis. Euh, Les gars, je mis, mis chier, contre la chier. Tu t'achètes, tu t'achètes un petit peu de, 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 de réassurance ouais. psychologique oh là là, en le mettant ouais. vers le bas comme ça. Et ouais. du coup, de temps en temps, tu te dis, bon, là, je peux le checker parce que j'ai ouais. quand même fait un beau geste. Mais c'est pour moi, c'est extrême. Mais en fait, c'est nul, c'est nul, ouais. parce que en fait, tu mets au milieu du débat une troisième personne qui à tout moment a le pouvoir d'interrompre ouais. deux humains entre sérieux c'est ouais. comme ça que je le, que je le vis hein. et ton Apple Watch ouais bah, mon Apple Watch euh, bah, souvent tu la regardes etc je, je la regarde elle me notifie sur euh, deux choses mon Apple Watch et rien que deux choses mes rendez-vous donc en gros pour me dire attention il faut que tu finisses ce rendez-vous dans les 10 minutes qui arrivent parce que t'en as un autre après euh, donc elle me permet de gérer mon timing et de pas dire à quelqu'un maintenant tu te casses, euh, mais plutôt de gérer les dernières minutes à peu près proprement sans, sans avoir à violenter ton interlocuteur. Et la deuxième chose, c'est une liste de personnes très précises qui peuvent générer des notifications SMS. Le reste, je n'ai aucune notif. Mais même quand quelqu'un regarde sa montre, c'est un enfer. Tu discutes avec quelqu'un, tu as l'impression qu'il regarde l'heure. Moi je trouve ça pire que le pire téléphone. C'est la pire chose. Ouais. Donc avec une Apple Watch, euh, tu peux avoir le même sentiment. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé au début avec l'Apple Watch, comme à tous les gens qui avaient ouais. des Apple Watch, c'est que les gens pensaient que je regardais l'heure ouais. et que je m'ennuyais. Ouais. Et je, vais, je dois dire, je vais faire une confession dans ce podcast, tu que bah, <laughs> par moment, j'ai utilisé ce prétexte parce que je m'ennuyais <laughs> vraiment. C'était en fait une notif et je disais, oui, c'est vrai que. J'ai un autre rendez-vous qui arrive <rire> <rire> et je regarde l'heure. Mais euh, voilà, j'ai utilisé ça de temps en temps. Donc il n'y a rien de pire que de parler à quelqu'un qui semble pas vous écouter. Donc accordez toute votre attention. Quatrième astuce résister à la tentation de parler. On l'a évoqué un peu. Laissez la personne finir ses phrases elle-même. Il n'y a rien de pire que ça. Je sais que je le fais beaucoup aussi. Je suis terrible. Que t'essayes de raconter quelque chose et il y a une personne qui croit pouvoir finir tes phrases à ta place et le fait. Ça, c'est un enfer, parce que la plupart du temps, elle tombe à côté. Je le faisais avant. Et, et parfois, bah, tu, tu oses pas trop la contredire, alors tu dis, ouais, c'est ça. Et au final, tu pars sur un truc complètement différent. Ça, c'est insupportable. Donc, si vous voulez écouter, vous ne devez pas prendre le contrôle de la conversation. Vous devez simplement l'écouter. Ce qui est parfois difficile et pénible. Ouais. Mais si je peux donner une astuce. astuce. Euh, euh, voilà, je prétends pas qu'elle soit, qu soit dans ta euh, liste. Ta gueule. <laughs> euh, et. <laughs> Mais, mais la mienne, c'est que. Alors, elle est un peu frontale, mais je dis aux gens quand je m'ennuie. Je leur dis, là, tu peux aller plus vite. Sincèrement, je, je comprends très très bien. Va plus vite, je m'ennuie. C'est vrai que je t'ai vu le faire plusieurs fois. Et je préfère dire ça. C'est hardcore. Plutôt que d'essayer de finir ses phrases à sa place ou je sais pas quoi. Je lui donne une, une indication sur le fait que pour ne pas euh, que mon attention se dérobe, ouais. il peut accélérer. Je trouve pas que ce soit hardcore. Parce que je t'ai entendu le dire, c'est pas désagréable. Es pas, tu dis pas, euh, je m'ennuie. Tu dis à la personne, oui, j'ai compris, euh, enchaîne, passe à autre chose. C'est-à-dire que la personne arrête de te surexpliquer quelque chose qu'il a déjà compris. Euh, donc tu passes à autre chose et la conversation est quand même plus, euh, plus intéressante. Donc je trouve pas que ce soit hardcore. Je trouve que c'est plus honnête. Puis comme ça, tu perds pas ton attention en fait. Ça veut voilà. dire que ce qu'elle est en train de te raconter, t'importe un minimum. T'as pas envie de, de perdre le fil C'est d'ailleurs tout le problème de l'enseignement. C'est que euh, comme on n'a pas de groupe de niveau, pendant que tu es en train de surexpliquer un certain nombre de personnes qui en ont totalement besoin pour comprendre, il y a des tonnes d'élèves qui s'emmerdent. Et quand ils s'emmerdent, bah, ils décrochent. Et c'est compliqué à gérer. Mais je trouve que l'écoute va, va tellement être la concentration, pour moi c'est la plupart du temps un vrai problème de concentration. Ah oui, c'est un problème d'attention, de, de concentration, euh, complètement. Ouais. C'est, je pense, ce qui est très dur encore plus aujourd'hui avec tous les usages des produits autour de nous. On sait que la concentration a drastiquement baissé dans la société. Du coup, vu que la concentration a baissé, forcément le niveau d'écoute a baissé et déjà encore plus compliqué à avoir. Puisqu'on a un niveau d'écoute en moyenne de 3 secondes sur TikTok. Euh, pour vous donner une idée quand même, ouais. c'est <laughs> dramatique. C'est-à-dire que ouais. vraiment, si la personne ne vous a pas vendu le sujet en moins de 3 secondes, vous changez de sujet. C'est-à-dire que vous, vous, vraiment, vous, vous partez du principe que ça ne vous intéressera pas, même si la vidéo fait 2 minutes. Je suis tombé hier sur un TikTok de Pierre niné qui au bout de 5 secondes n'avait toujours pas euh, vraiment introduit son contenu. Et euh, j'ai en me disant bah, il n'a pas le format TikTok, c'est horrible. <laughs> et c'était vraiment horrible. cest sur TikTok, ça va, tout va tellement vite. Si le mec, il t'introduit pas son sujet pendant les 5 premières secondes, tu fais vas-y, sinon, flemme j'ai pas le temps. Bon, en vérité, j'avais le temps, mais euh, j'avais bah, pas envie de le prendre. Sur TikTok, t'avais le temps. Cinquième astuce observer le langage corporel. Ah. Le corps parle et il dit parfois bien plus de choses que ce que la personne en question veut bien transmettre. Toujours même. Toujours, souvent. Alors en observant ses actions, vous verrez si elle est stressée, si elle est enjouée, fatiguée, soyez attentif à ça. Ça Manuel, ça t'a fait réagir euh, J'adore. Moi j'ai beaucoup travaillé les questions d'expression de, 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 non-verbale. Ouais. C'est des sujets qui m'ont beaucoup intéressé. J'ai un peu travaillé ces questions-là, parce que je pense que c'est un complément d'information euh, qui, euh, quand tu le comprends, euh, te, de, te permet de mieux apprécier le, le message explicite qu'on te donne. Parce que la parole, c'est un message explicite et le corps, c'est souvent un message implicite. Mmh. Et quand ils disent pas la même chose, c'est vachement intéressant. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que souvent ça t'apporte une information en plus ou t'as l'impression parfois que c'est même carrément contradictoire Ça Il peut arriver que ça soit contradictoire et ça te donne envie du coup de poser des questions, mmh. de creuser. Ouais. Parce que tu arrives à détecter les, les passages du discours ou de l'argumentaire. Où la personne en face de toi n'est pas sûre d'elle. Mmh. Où tu sens que. Euh, ça, franchement, il y a une contradiction entre euh, ce, qu on, ce, ce que son corps dit et ce que lui est en train d'exprimer. Et ça, ça entoure en rouge des zones d'interrogation euh, dans lesquelles il faut passer un peu de temps à investiguer, puis ça te permet de détecter les, le bullshit. Tu as des livres à recommander sur le sujet que tu as lu Je pourrais en donner. J'en ai. Dans mes listes. Si. Ben, on va attendre. Ah, ok. Il y a certaines choses physiques, par exemple, qui se remarquent et moi j'avais regardé sur Internet pour les comprendre aussi. Quand tu bailles, ou... ben, c'est pas forcément que t'es. Enfin, ça n'a même aucun rapport avec la fatigue. Quand mm. quelqu'un te parle et que tu bailles, souvent ça envoie le signal que. Euh, merci Léo, <laughs> qui baille. Ça envoie le signal que il, il est en train d'essayer de se concentrer pour rester accroché à la conversation. Ah ouais. Il est... Est, il est fatigué, mais de ta conversation. En fait. Exactement. Ouais. Et ça, c'est dingue. Juste, refaire ça. Les premiers gros trucs comme ça, quand tu discutes avec quelqu'un et que tu vois qu'il va, et tu fais « Ok, donc là, il a un vrai problème de concentration. Il va falloir que j'accélère parce que dans mmh. deux secondes, tous les trucs que je vais lui dire, il ne les intégrera pas. » En fait, ça signifie que ton cerveau commence déjà à penser à d'autres choses, à travailler sur d'autres mmh. sujets en tâche de fond parce que ton sujet l'accroche pas assez, quoi. Moi, par exemple, c'est mon problème principal, ça. Je baille très souvent ah quand ouais. on m'explique un truc qui m'intéresse pas des masses ou que j'arrive ouais. pas à accrocher. Mais au bout de 10 secondes, je baille. Et c'est tellement malaisant pour la personne qui se trouve en face de moi. Il y a un autre euh, langage non-verbal. Quand tu bandes. Non, je veux pas la faire celle-là, vas-y. <laughs> <laughs> Alors, mes, mes deux meilleurs livres sur euh, le langage corporel, ouais. euh, c'est The Definitive Book of Body Language. Et le deuxième, donc, c'est euh, uh, Think Like a Psychologist. Mmh. Et euh, c'est un super livre. Voilà. C'est les deux livres que, que j'ai dans mon Kindle. Trop bien, j'en ai lu aucun. Bah, vous pouvez, tu peux lire les deux. Mais je crois que j'ai jamais lu sur le sujet. C'est peut-être pour ça que je suis une merde en écoute. Je pense pas, mais merci euh... de ne pas valider. Voilà. Merci Manuel. Sixième astuce, celle-là, c'est peut-être... Je ne pense pas que ce soit la raison. D'accord, merci. <laughs> Sixième astuce, c'est peut-être la plus difficile. Oubliez votre visage. On s'en rend pas forcément compte, mais quand quelqu'un nous regarde, on accorde beaucoup d'attention à nos expressions faciales. Et on perd donc en écoute. Contentez-vous de regarder la personne dans les yeux et votre visage réagira naturellement à ce que vous entendez. Ça c'est un truc, je m'en rends compte parfois. Tu sais, c'est le truc de... Euh... Ou au contraire, utilise-le. Est-ce que j'ai... De mon une point de crotte vue... Est-ce que je suis en train de sourire ah, assez Ou est-ce que euh, je ne suis pas un peu crispé ou, euh... Moi, je m'en rends compte assez souvent que je fais vraiment attention à mon visage. Moi, les gens qui sourient trop, ça m'angoisse. <laughs> je me dis, oh, putain, ça cache quelque chose. Euh, mais ça, je te jure que ça m'angoisse, ça me fout le bourdon, en fait. Euh, il faut regarder ses interlocuteurs. Je pense que. Alors, oubliez votre visage, moi, je ne suis pas hyper à l'aise avec ce conseil-là. Moi, je dirais au contraire qu'il faut, faut utiliser son visage ouais. pour euh, exprimer des choses qui donnent des indications à ton interlocuteur. En faisant quoi par exemple Bah, euh, tu vois, si, si tu t'accoudes si et que tu poses ton menton mmh. dans ta main, etc., ça laisse penser que tu t'emmerdes. Euh, euh... Je crois que ça, c'est quand tu as atteint le, le level 2 en fait. Oui, c'est possible. C'est-à-dire que si tu as des problèmes d'écoute, il ne faut pas que tu penses à tout ça parce que sinon, euh, ça va être terrible. Ça va compliquer les Une choses. Une fois que tu as acquis un certain niveau et que tu sais que tu peux euh, écouter les gens sans problème, là, tu peux commencer à faire de. Par contre, de... level 1, ouais. regarde ton interlocuteur. Dans les yeux. Dans les yeux. Ça, c'est le moindre des respects, on va dire. Et euh, pour les gens qui ont du mal à regarder leur interlocuteur dans les yeux, mmh, un petite seul oeil. astuce, où tu regardes un seul œil, c'est ce que je fais moi, euh, ça ne se voit pas à plus de 40-50 cm de distance. Là, au moins, je regarde qu'un seul œil. Et euh, ton interlocuteur ne le voit pas, où tu regardes euh, entre les deux yeux. Ah, c'est terrible ça, ah non, je préfère l'œil. Et l'autre ne voit pas que tu regardes entre les deux yeux. C'est horrible, voilà. je, Du coup, je m'attarde beaucoup trop sur tes sourcils. Je sais qu'il te capte. Non, regardez l'œil gauche. Moi, c'est ma strat. Je regarde tout le monde. Mais c'est dingue, je j'avais jamais, jamais entendu ça moi. Et, Et c'est une super astuce. Et tu ça peux te pas permet regarder les deux yeux. Ça te permet de tenir le regard très longtemps. Tu ne peux pas regarder les deux yeux en même temps. Parce que souvent, suivant ce que tu as envie de raconter ou de demander, c'est surtout quand tu veux demander quelque chose. Je trouve que le regard fuyant est beaucoup plus présent. Tu as après, du mal à regarder la personne. Après, je vais vous donner un autre truc que j'utilise. C'est que quand j'ai besoin de faire passer des messages importants à des gens, ouais. dans le discours que je vais leur, leur, leur tenir... Tu l'écris sur ton front. Je, je ne les regarde pas. Je regarde ailleurs et je, leur, je commence à leur dire ce que j'ai à dire. Et quand j'arrive à un passage très important, mmh. là, je les regarde droit dans les yeux. Okay. Juste sur la, la phrase ou les deux phrases qui comptent. OK. Et ça c'est hyper puissant. Tu me fais très peur. Je ne vais plus jamais te parler. Après Mais c'est ce super podcast. intéressant. Ouais. D'avoir autant de maîtrise là-dessus, euh, bah c'est euh, dans le livre euh, dont je parlais la dernière fois. Euh, Arrêtez de couper la porte en deux. Où ouais. Il parle beaucoup de, de justement, euh, ne serait-ce que les bruits de bouche que l'interlocuteur peut faire, euh, mmh. les mimiques et toutes ces choses-là à contrôler pour bien comprendre qui est ton interlocuteur, à qui tu t'adresses et ce qu'il te raconte verbalement justement et euh, non-verbalement. Non-verbalement. Justement, le septième point va te parler parce que je crois que c'est dans le livre, tu nous en avais parlé la dernière fois. Répétez ce que vous entendez. Alors, pas tout, évidemment, <laughs> Ça mais <peut> être long. <laughs> sur des éléments importants, répétez ce qu'on vous dit avec vos <laughs> propres mots pour être sûr d'avoir bien compris. C'est super dur. C'est vraiment super dur. J'essaie de dur. le faire, ouais, depuis que je l'ai lu, j'essaie vraiment de le faire avec des clients du coup. Donc, un client, ouais. il te raconte que la bonne stratégie, c'est d'avoir une vidéo YouTube sur euh, la chaîne de Léo Duff, par exemple. Bah, juste lui répondre en lui disant une vidéo YouTube sur la chaîne de Léo Duff, c'est tout à fait envisageable en la travaillant. De... C'est super compliqué de se concentrer sur une phrase clé. En l'occurrence, ce que... n'est pas envisageable. Effectivement, jusqu'à la fin de l'année en tout cas. Enfin, Veuillez me consulter <laughs> pour toute modalité. Ça va vous coûter très cher, mais ouais. envoyez-moi un mail quand même si, si besoin. On répondra. Euh, c'est très compliqué à faire. Tu as l'impression de passer pour un con ou c'est vraiment un autre problème ah, je... ben, c'est pas naturel, tu te forces à essayer de faire quelque chose qui va dans le sens de l'autre, mais pas dans le tien. En ouais. fait, c'est ça qui se passe. En fait, tu peux utiliser des transitions pour ça. Tu peux dire euh... donc, si j'ai bien compris ce que vous voulez dire, nanana, nanana. Ou est-ce que vous voulez dire que, en faisant ça, le level one, il ça. ça, il se passera ça ouais. Donc, ça, ça aide. Mais euh, le mimétisme, mm -hmm. euh, c'est aussi une façon d'amener les gens à préciser ou leur montrer que tu les as bien écoutés. Ouais. Euh... Certains ont besoin de ça. Et on en avait parlé à propos du, du livre euh, Arrêtez de couper la poire en deux, c'est une super méthode de négociation. Parce que euh, parfois, la personne que vous avez en face va repréciser et perdre un petit peu en valeur de son côté. C'est-à-dire qu'elle va un peu réduire, par exemple, si un client euh, te, dit, euh, te dit un prix ou te donne un nombre de trucs à faire, si tu lui demandes de répéter, elle va peut-être se sentir un peu agressée, un peu moins en confiance que la première fois, et elle va baisser le prix ou en tout cas, tu vas gagner un petit peu de, de, de marge là-dessus. Ça a marché. Yes. C'est vrai. Depuis <laughs> le dernier podcast, ça a marché. <laughs> J'ai réussi pour la première fois à répondre. Euh, je suis désolé, vous me proposez ça pour ça. Euh, je disais en fait, euh, on pourrait peut-être. Enfin, sinon, on peut le faire comme ça et comme ça. En le faisant comme ça et comme ça, c'est envisageable. <laughs> boum, En deux phrases, t'as éclaté le truc et t'as gagné quoi, un tout petit peu. Mais ça aide vraiment. Ça Huitième astuce pratiquer l'écoute. On est à la septième. Non Donc, oui. après, la Donc après c'est la 8. Donc après c'est la Non, on devait faire la. Non, d'accord. Huitième astuce. C'est parce qu'en en fait c'est. un j'étais pas à l'écoute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après 7. Et après c'est 8. Le chiffre. Pratiquez l'écoute. Écouter correctement demande plusieurs aptitudes cognitives. On l'a vu. Beaucoup de concentration et d'attention. Et tout ça se travaille. La bonne nouvelle c'est que vous pouvez le faire en écoutant le podcast. Faites pause maintenant. Et à haute voix, faites un résumé de tout ce qu'on vient de dire. Courage. Waouh ce sera probablement assez mauvais comme euh, résumé. Vous pouvez même nous l'envoyer par message vocal euh, sur la plateforme euh, sur laquelle vous pouvez nous poser des questions. On ne les écoutera pas, mais si ça vous fait plaisir, vous pouvez... <laughs> nous Arrête envoyer. de dire ça, c'est <laughs> pas vrai, on les écoute. Donc ce sera probablement vous avez tout en description. assez mauvais, mais si vous refaites l'exercice la prochaine fois, dans notre prochain podcast, vous allez travailler votre attention, donc votre écoute. C'est vrai, c'est une, euh, une bonne méthode, je trouve. Bah, surtout que ça implique... Que les gens écoutent notre podcast, donc plus d'audience, donc plus d'argent, donc plus de jus de pomme. Est-ce que le fait de prendre des notes en même temps que d'écouter, ça peut aussi décupler l'écoute je, je crois que ça, tu vas mieux retenir ce que tu écoutes, mais tu vas pas travailler ton attention. Puis ça te rajoute une difficulté en fait. Écouter la personne, prendre des notes en même temps et préparer tes réponses. là. Euh... En fait, à partir du moment où tu notes, derrière, tu peux relire tes notes. Ben ça. Donc ce n'est pas, pas ton attention, ce n'est pas ta, ta mémoire auditive que tu vas travailler. Tu, tu vas mieux te souvenir de ce que tu réécris, mais ça travaille pas ta mémoire auditive. Moi, ce que je fais quand j'écoute des talks où je veux garder le cheminement intellectuel, je fais que des bulles avec des mots-clés que je relis entre elles. Ouais. il n'y a pas un mot. Mot mot, mot quoi. Euh, tu vois, il y a un mot-clé, c'est le mot-clé le plus important du raisonnement. Donc, euh, ça peut être le mot-clé de l'intro, par exemple, où le mec a passé cinq minutes sur son intro à t'expliquer mmh. son truc, etc. Je vais noter ce mot-clé, je vais mettre une bulle autour, je vais mettre numéro un, et je vais la relier à la bulle numéro 2, mmh. etc., etc., etc. Et après, je fais, quand tu l'écoutes, tu peux faire des liens entre tes bulles. Ouais. Donc tu peux dire que la 3 est reliée à la 7 par un autre mot-clé. Et là, tu mets un autre mot-clé sur le lien. Et à la fin, tu as une espèce de mind map. Donc si tu le découvres, ça ne t'évoque rien. Mais toi, comme tu l'as entendu et que tu l'as un peu retenu, tout de suite, c'est beaucoup plus clair. Et surtout, l'effort à fournir pour prendre des notes est relativement faible. Ouais. Et donc, tu ne te déconcentres pas dans ton écoute pendant que tu es en train d'écouter ton interlocuteur, sous prétexte que tu as envie de prendre des notes. Alors que si tu essayes de faire du mot à mot ou des phrases clés, ah ou, ouais. etc., etc., tu, tu perds un morceau du truc. C'est impossible. Ouais. J'ai une dernière astuce, sans doute la plus importante. Faites preuve d'empathie. Votre vérité n'est pas celle de la personne que vous avez en face. Vous n'avez pas grandi au même endroit, vous n'avez pas le même milieu social, vous n'avez pas la même vie. Écouter, ce n'est pas être d'accord. Écouter, c'est essayer de comprendre. Bah, c'est vrai. Ce mmh. pas parce que tu écoutes les gens que tu es d'accord avec eux. Et même, ce n'est pas parce que tu n'entres pas en conflit ou en opposition, c'est parce ce n'est pas parce que tu n'opposes pas d'arguments que tu es d'accord avec et ce qu'ils disent. Caisse, ouais. Donc, euh, écouter ne veut pas dire, euh, enfin, écouter avec euh, calme, euh, mmh. sans mmh. agitation, ni quoi que ce soit, ne veut pas dire que tu es d'accord. D'ailleurs, souvent, les offensives les plus redoutables, sont adressés dans le plus grand des calmes ouais. et ça peut être très déstabilisant d'écouter quelqu'un de ne pas être du tout d'accord avec lui et de juste lui répondre d'accord je comprends mmh. et, et à l'intérieur tu bouillonnes mais dur, tu hein. te dis ça vaut peut-être pas le coup que je déploie cette énergie là et c'est peut-être pas le vrai sujet au fond euh, c'est peut-être pas notre... Mais je pense surtout que dans les négociations euh, par exemple euh, quand tu parles tu donnes une indication à l'autre de quelle est ta pensée. Ouais. Alors que quand tu écoutes avec beaucoup d'attention et que tu t'efforces de faire ta poker face et de ne pas, de ne pas parler tant que ça n'est pas à ton tour de parler, ou tactiquement le bon moment pour parler, mmh. c'est très déstabilisant pour l'autre, parce qu'il déroule un argumentaire et il n'a aucune idée de ce que tu penses. Oui, c'est vrai que c'est déstabilisant. Voilà, c'était mes neuf astuces. Moi, je, je vais essayer de faire des efforts et de les appliquer pour être... Mieux à l'écoute pour être un meilleur auditeur, ce que je suivais pas forcément toujours. Euh, mais je vous aime bien quand même. Hein. Bah, ben, nous aussi. C'est juste que je peux pas vous entendre. Mais vous voir, ça va. <laughs> Moi, j'essaie de vous le dire de moins en moins. T'essaies de nous quoi Deux Deux Trois un... Salut. Bonne soirée, la bise. Bye bye.